C'est monsieur Marie Mamad Moukta, le directeur de l'étude au collège de Concola. Il y a une reprise timide, les professeurs viennent, comme vous le constatez dans l'ouest d'appel, dans l'ouest de centralité de notre casier de professeurs ici, mais les élèves viennent à contre-goutte. On peut estimer ça à 20%. Hier, les membres de la DP étaient là. D'après le compte, on avait 20% de présence des élèves. Nous avons 13 groupes pédagogiques au collège de Concola, à savoir 3 septième année, 3 huitième année, 3 neuvième année et 4 dixième année, pour 13 salles de classe opérationnelles. Au collège de Concola, les cours ne sont pas à mi-temps, les cours c'est de 8h à 14h. L'effectif de l'établissement aujourd'hui est de 1515 élèves, dont 705 filles. Bon, par rapport au bon déroulement de cours, nous avons, il faut dire toutes choses pour comporter les difficultés. Il y a entre autres les INTIC, notamment les nouvelles technologies de l'information. Les élèves s'adonnent à ça. Et il y a ensuite le manque de professeurs quelque part, parce que nous avons ici 24 heures de mathématiques non enseignées. Il y a aussi la pétrité des locaux, comme vous le voyez ici. Nous avons le professeur de mathématiques. Pour 3 classes de mathématiques, il n'y a pas de professeur. Nous travaillons avec un contracteur communautaire que les parents de l'élève payent. Et cela depuis 5 ans, nous travaillons avec ce trou est là. L'argent de l'APA que nous récoltons, il y a une clé de répartition. Dans cette clé de répartition, c'est dans la part de l'APA que nous prenons pour payer les contractuels. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 contractuels. Il y a un qui doit enseigner la biologie, parce que le principal limité, il doit rejoindre le poste. Il était professeur de biologie. On a recruté un nouveau professeur de biologie, qui était son assistant avant.